Ritipal is always doing exceptional work for Cambodian cinema, but not limited to just Cambodian cinema. He collaborates with a number of film funds and film institutions all over the world to promote and nurture young filmmakers. He has also founded the Bopana Audiovisual Resource Center in Phnom Penh, which is an amazing hub aiming to preserve the country's films as well as its photographic and audio history. The center is a great inspiration for the filmmakers of the region, and not only, and is also part of Ritipan's ongoing research and vision to preserve the visual heritage of Cambodia. I'm very pleased and happy to have him here with us tonight. Please join me in welcoming him. Ritipan. Merci. Thank you. Thank you, Riti. Thank you for coming to Toronto. Thank you. So it's thank you for coming for the screening, and it's always a great joy to be here. And I just like to thank the festival to invite me these years again, and all the team, Playtime, and other people who support the film. And so. Let's see the film and let's talk after. Huh? Yes, we will be back at the end of the screening for the question and answer section. Thank you for staying. Please welcome back on stage the director of Grapes Without a Name, Ritipan. Thank you, Riti. Thank you again for being here with us. This film seems is one of the most personal film, I think, I feel for you. I just wanted for you to talk about the background. How did you work on this movie? How did you come up with this work? Je parle en quoi en français? D'accord. J'ai compris. Phrase par phrase, je fais. Je fais tout et vous faites après. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, je me souviens. En fait, pour chaque film, une idée vient comme ça, mais ça ne se fait pas immédiatement. For each film, the idea comes, but it's not done immediately. Ce film, j'en ai parlé il y a peut-être 10 ans maintenant. I spoke about this film maybe 10 years back. Now. Et je n'arrive pas à le faire. And I couldn't manage to get it done. Donc, je vais tous les ans, une fois, voire deux fois, tous les ans dans ce village où nous étions déportés. I go back twice, one time, twice, every year, to that village where we were deported. Enfin, je travaille plutôt comme un archéologue ou un topographe. I work more like an archaeologist or like somebody working in topography. Bon, j'essaie de arpenter les terres, sentir la terre, sentir les fleuves, le vent, les arbres. I go up and down the land. I look at the trees. I smell the air. Et je trouve que on parle beaucoup de crimes et on essaye d'avoir des preuves, mais les crimes de masse transforment aussi les paysages. We speak about crimes and mass murders, but they also change the surroundings, it seems. Donc, j'essaye de travailler de trouver, sentir quelque chose par rapport à ce lieu précis, ce paysage. And I tried to feel and imagine something specific to that particular spot area. Puis il y a deux ans, voilà, comme ça me vient comme ça, comme dans, enfin,
je sais plus si c'est éveiller ou dormir, parce que je, ça vient la nuit, comme je dors pas beaucoup. Les idées viennent comme ça, et je me suis mis à tourner le film il y a 2 ans. And 2 years back, in between maybe a dream and being alive, awake, because I don't sleep much, an idea came to me and started working upon it. Alors, j'ai l'impression que chaque film, je ne sais pas si je suis plus personnel dans celui-là ou dans l'autre. So I don't know whether I'm being more personal in this one than in others. Mais dans celui-ci, on me voit. But I think in this one can perceive me. Et j'essaie de me cacher. En fait, j'ai comme on dirait que le film me rattrape, quoi. I try to hide myself, but it's the film sort of catch hold of me. But en fait, c'était la vieille dame. Je suis en train de la tourner, enfin c'est le montage du film et vient vers la fin parce que je voulais parler de cette séquence-là vers la fin. Mais cette séquence, j'ai tourné assez tôt. But it's in the film the old lady. It comes at the end, but it was the film quite early. Et en fait, elle a trouvé l'âme de mon père. And in fact, she had found the spirit, the soul of my father. Et moi, j'étais à la caméra, je ne sais pas quoi faire, parce qu'elle me dit, viens, on avait 2 caméras, puis j'étais sur une des caméras. I was behind one of the cameras, we had 2 cameras running, and she called me and said, come, and I didn't know what to do. Et puis, dans ce coup, elle me dit, si peut-être l'âme existe et que mon père est là, c'est dommage de ne pas l'embrasser. And then I thought to myself, if the spirit, the soul has really there, one shouldn't miss that opportunity of at least embracing. Alors je suis allé auprès d'elle ou de lui. So I went forward close to her or to him. Et là, elle m'a attrapé, elle m'a serré dans ses bras, et c'est comme ça, je suis dans le film. And she embraced me, caught hold of me, and wrapped her arms around me, and this is how I'm in the film at that point. Je pense que cette séquence certainement m'a plus impliqué du personnel dans le film, quoi. Puis c'est aussi le film, c'est aussi le processus de deuil aussi, donc tout ça se met en place petit à petit. And so I think that those particular shots put me more in the film. There are other things also, but that's. Je sais pas. J'essaie toujours que filmer n'est l'acte même de filmer ne soit pas seulement artistique. I try that the act of filming is not only artistic, parce que on filme là une histoire qui est compliquée, qui a beaucoup de morts, beaucoup de crimes de masse. Ça va au-delà de tuer, en fait. Because what we are filming here is of people, lots of people having been murdered. It goes the act of killing goes much beyond just the mere. Bon, dans tout ce que ça implique, la destruction de l'identité, de la personne, de ce qui est de plus précieux, essentiel pour un être humain. So we're talking about the destruction of identity of the person, the inner part of the most important part of what it means to be a human being. Donc il fallait trouver une sorte de spiritualité à l'acte filmé aussi. And so there was a need to find an aspect of spirituality in what we were doing. Je ne connais pas d'autre réponse à cette violence extrême que par la spiritualité. And I do not know any other way to answer that type of violence except through spirituality. Donc il faut y aller avec beaucoup de foi. Comme on va à l'église, quoi. So one has to approach the task with much faith, a bit like when going to church. Donc voilà, c'est peut-être ça qui est un peu plus personnel à chaque fois. So that's perhaps what is so personal each time. I also wanted to ask about the text of the voiceover, which I found really beautiful, poetic, very intense and very moving. So I just wanted to, how did you work on that text?
En fait, moi j'ai la chance, ou je sais pas, mais je travaille toujours avec les mêmes personnes. I have a good fortune of working working always with the same people. Je trouve que comme ce cinéma il est un peu compliqué, si je change à chaque fois, j'ai du mal à m'accorder avec les nouveaux collaborateurs. And since filming is quite difficult, and if I were to be changing people each time, it'll be difficult to sort of get on the same wavelength with new people each time. Donc, par exemple, je travaille avec les mêmes musiciens depuis 35 ans. For example, I've worked with the same musicians for the last 35 years. Marder. Donc, le texte, je travaille avec Christophe Bataille, qui est depuis plus de 10 ans maintenant, on écrit des livres ensemble. And the text I wrote with Christophe Bataille, with whom we have written work together. On a fait des livres ensemble. Books that we've written together. Et donc, comment je travaille Parfois, les textes, comme je marchais, je donne un exemple, je marchais beaucoup dans les terres. Et à la fin de la journée, c'est étonnant que mes deux pieds deviennent tout noirs. I was walking and we walked a lot in the field. And by the end of a day, my feet would be all dark and plein de poussière, covered with dirt, de cendres, with ashes. Alors je sais pas quoi dire avec ça. Je prends une photo puis je l'envoie. And I don't know how to describe it. So I take a picture and I send it to him. Oui, je l'envoie par WhatsApp. By using WhatsApp. Il reçoit directement. And it arrives there right away. Donc après il commence à esquisser des lignes. And thereafter he starts sort of writing drafts. Et il m'envoie comme ça dans l'ordre différent de l'ordre. And he would send them to me like that in different orders. Et moi je recoupe son texte puis je remonte. En fait je monte la musique et le texte comme on monte l'image quoi. What I do at that time is to I rearrange his text a bit like you do with music. Parfois je répète deux fois les mêmes même phrase. Je sais pas si vous avez remarqué. Sometimes I repeat twice the same sentence. I don't know whether you've noticed that. Voilà, j'aime bien travailler comme ça avec beaucoup de liberté en fait à chacun. I like to work in this manner with lots of freedom for each. Do you have any question for yes, please, you on the check. Oui, un peu. Oui. Oui. Je pense que l'histoire du pays, oui, combien, c'est ça, mais, oui, voilà, oui. L'historique. En fait, il faut y aller. C'est la difficulté, quoi. Il faut être à la fois dans le film, comme si vous faites que pour vous tout seul, et en même temps, de temps en temps, se mettre en dehors du film, comme si vous n'avez jamais vu le film avant. It's sort of sometimes you work as if you are in the film itself, and then sometimes you sort of stand out as if you had never seen the film itself before. Donc quand vous êtes dans le film, comme si vous faites le film pour vous tout seul, vous comprenez tout évidemment. Enfin, c'est mon histoire, donc je comprends tout. So when I'm in the film and I'm telling the story, I'm doing the film for myself. I understand everything because it's my life, my story. Mais après, quand je regarde, je dis, bon, quelqu'un qui se trouve à Colorado ne comprendra jamais ce qui se passe au Cambodge. Afterwards, I reflect that somebody who is somewhere else in Colorado wouldn't understand without the context. Donc, il faut que je donne un peu d'éléments, mais même d'éléments historiques. And so that's where I feel the need to give some context, some background, historical background. Mais ça, c'est le côté, ça compte pas, ça, c'est rien du tout, c'est pas nécessaire, ça, c'est juste les détails techniques. But this is not really important. These are not necessary.
This is just technical details in reality. They don't count. Je pense qu'il est important, c'est croire en pouvoir de l'image. I think what's important is to believe in the power of the image. Et le pouvoir de l'image et du son. Of the image and the sound. En la magie de ce langage qui est cinéma. And the magic of this language that cinema is. Comment peut-vous faire sentir ce que quelque chose de personnel, c'est comme si je vous donne des choses, vous vivez cette histoire par vous-même. How do I manage to make you feel? So it's as if I'm giving you the story and allowing you to live it for yourself. Et je pense que le cinéma, c'est une des rares choses, comme la musique, comme autre, qu'on peut appliquer à n'importe quel pays, n'importe quelle culture. And I think that cinema, a bit like music, it's something that can be applied, it can be into any country, to any people. Et puis, il faut faire confiance à vous, quoi. Je vous fais confiance. And then one must trust you, and I trust you. Other question? Yes, please. Oh, merci. Oh. Vous savez, il y a 1,8 million morts. You know, there is 1,800,000 dead people. Donc, au minimum, il y a 1,8 million histoires. So potentially, there is 1,800,000 stories to tell. Donc, il ne faut pas, je me précipite hein, vers ça. So I shouldn't be rushing in, you know, to do all that. Donc il faut attendre que ça devienne nécessité de le faire. One must wait until it sort of pushes one as a necessity to get it done. Moi, si je peux faire un film joyeux, je ferai. If I could make a joyful film, I would do it. Je veux toujours le faire. I still want to do it. I always mais want to c'est, do it. C'est, enfin, je fais le malin un peu là. Mais I'm being a bit flippant here. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut je veux revivre, il faut que je vive ma vie. But what I really want to say is that one must try to live again my life. Il faut que je sois capable d'aimer, d'apprécier la nourriture, d'apprécier la nuit, les étoiles, le soleil qui se couche. I must appreciate things, life, food, night, the setting sun. Et c'est, malgré tout, la vie est quand même, il vaut la peine qu'on se batte et pour vivre. In spite of everything, life is worth living. One must keep on fighting and live. Et c'est aussi c'est pour dire voilà, je suis là quoi. Personne n'a réussi à me détruire. And I think it's also making a statement. I'm here. Hey, nobody has succeeded in destroying me. Je suis capable de faire un film, voilà. And I have the ability to make a film here. Ouais. Other questions? Yes, please, the gent. Yeah. En fait, j'ai appris à faire une chose dès le début, c'est que pour filmer les gens, il faut savoir les écouter. In fact, I learned something that if you want to film people, you must learn to listen to them. En fait, l'image, c'est l'écoute. In fact, the image is the listening to. Et pour moi, comme je répète souvent à moi-même, comme à mes étudiants,
Il faut pas faire les films sur les gens, mais il faut les faire les films avec les gens. And as I tell myself often, and I tell my students, is that one should not make a film on people, about people. One should make films with people. Donc, à partir du moment où vous faites les films avec les gens, les relations ne sont pas les mêmes. And from if you start from that angle of doing the film with people, then the relationship is not the same. On n'est pas là pour prendre l'information, quoi. On est là pour vivre quelque chose ensemble. So we're not here to absorb the information. We are here to live the film together, something together. Et souvent la langue des gens qu'on considère comme des paysans, ce sont des langues extrêmement riches, extrêmement émouvant. And often the language of people whom we consider to be peasants is a language very deep and meaningful and very rich with emotions. Yeah, la sagesse des gens de la terre. And there is the deep wisdom of people of the earth. Des gens qui connaissent les saisons, qui connaissent le soleil, qui connaissent le vent. Folks who know the seasons, who know the wind and the sun. Et il faut qu'on parte avec ce principe-là parce que je fais les films sur les gens qui sont morts, quoi. Qui sont peut-être le vent, l'espace ou la lune, le ciel. And one must start from that perspective because I make film about people who are dead. So about the wind and the sun whatever the nature around. On ne sait pas ce que c'est l'âme. Est-ce qu'il y a une âme après la mort? One doesn't know what the soul is. Is there a soul after death? Mais je les sens. But I feel them. Je parle avec eux. I speak to them. Donc il faut que je trouve une forme poétique pour les âmes. So I must find a poetic way for the souls. Et ça, je l'ai appris chez les gens modestes, ce sont les gens, les paysans, les gens qui travaillent la terre. And that I learned from people, humble people, the people who work the earth, the peasants. Time for one last question. Yes, please. One has the impression that when one sees, looks at the film. Could you repeat that, please? There's an obsession, the missing image continues. Yes.
En fait, un film pour moi c'est un cheminement. C'est un long chemin que je ne sais pas où ça me mène en fait. In fact, a film for me is like walking on a trail, a long one. I don't know where it's going to take me. Surtout sur ce sujet-là. Especially on this particular subject. Parce que si on pouvait faire que deux films ou trois films pour expliquer tout, ça veut dire on peut définir les crimes de masse. Because if one could make one or two or three pictures to explain everything, that would mean that one could define mass murders. Moi, je ne sais pas comment parler une seule fois d'un crime de génocide, par exemple. I don't know how to speak in one time only about a crime, genocide. Et je ne sais pas d'ailleurs comment on peut rendre justice dans un crime de génocide. And I don't know how one can find and bring justice to bear on a crime of genocide. Et donc je pense que ce dialogue qui peut-être parfois devient un peu obsessionnel. So I think that this dialogue, which at times may appear almost obsessive. J'essaie de ne pas être obsédé par le génocide, quoi. Je ne suis pas un cinéaste de génocide. I try not to be obsessed with a genocide because I am not a cinematographer dealing with genocide. Je suis un cinéaste tout court. I'm just a cinematographer, short, full period. C'est pourquoi je suis capable d'utiliser de différentes formes. And that's why I have ability and I use various styles and various ways of doing things. En utilisant ma culture, propre culture que j'ai appris, quoi. By using my own culture, which I've learned, my own culture, I use that. Comme vous êtes d'origine africaine, moi je suis un des rares cinéastes cambodgiens qui fait un film sur un Africain. Since you're an African person, I'm one of a rare Cambodian cinematographer who has made a film on an African person, on Mr. Cissé. Parce que je voulais savoir quel est son univers de comment sa pensée fonctionne avec le cinéma. Because I wanted to understand how his universe and how his thinking works in cinematography. Puis le masque. Chez nous, comme chez vous, comme les statues chez nous, quand on voit les masques dans les musées, il est que objet d'art. A mask in your country, like in our culture, when we see a mask in a history in a museum, it's an object of art. It's an object of art. Mais dans notre vie à nous, le masque, il est plus qu'un objet d'art. Il y a une âme derrière. But as far as we are concerned, for us, a mask is not just an object, an art object. There's more than that. Donc, à partir de cette idée-là, comment je travaille avec le masque, quoi? Comment je rends habité par l'âme, par la forêt dont je suis issu? And starting from that idea, this is how I then work with how one work with a mask, which is inhabited by things in the forest from where I come from. On n'a plus de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, voilà, on n'a plus de temps. Voilà, comme d'habitude, on n'a plus de temps. Je m'excuse. I'm so sorry, but we really don't have more time. I'm sorry too. We're all sorry. Because, I mean, this conversation was really, really interesting. So maybe we can continue it outside if you want to talk to. Okay, bon, thank you. Merci beaucoup. Thank you.